Le surplus de terre qu'on n'a pas besoin, oui. Ça, c'est transporté dans le cimetière actuel. OK. Par respect pour... en somme, c'est intervenir. Okay. OK. Et les autres, c'est la même chose. Les archéologues, quand ils vont avoir fini leur étude, oui. De ces ossements-là, ça va être retourné à la fabrique de Berthier, oui. Et enterré dans un endroit du cimetière. Bien, si vous voulez, M. Rainville, à ce moment-là, on va se rencontrer à nouveau, se reparler, parce que je suis certaine que ça aussi, c'est intéressant. Puis là, ben, malheureusement, on n'a plus de temps. Bon. C'est allé bien, bien vite. C'est très intéressant. Fait que si vous voulez, on va se redonner un autre rendez-vous. Bien là, ça va être moins long un peu. Bon. Ça va aller. Merci beaucoup, 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 M. Rainville. Vous êtes une mine d'or pour la région. Et je pense qu'il y a un des archéologues qui a déjà dit, vous n'êtes pas seulement historien, vous êtes un monument. Bon. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a dit ça. Hein? Je vais durer plus longtemps. Je suis d'accord avec eux. Merci beaucoup. Et mesdames, messieurs, bien, merci beaucoup. Et ben voilà, émission d'information pour tous les Berthelais, Berthelaises et les gens de la région. Merci beaucoup. Trois secondes. J'aimerais bien ça qu'on se voit.